Bien, ben, pour moi, c'est un plaisir tout à fait particulier d'introduire la première conférence du symposium PSDR3. Et un plaisir tout à fait particulier à plusieurs titres. Il s'agit de la conférence de Jean Boinfin, Agronomie, espace et territoire, travailler pour et sur le développement territorial, un enjeu pour l'agronomie. C'est un plaisir particulier d'abord parce que j'ai appris à connaître Jean ces dernières années. Et à connaître sa rigueur, son exigence, son professionnalisme, son engagement au service de l'INRA et de la recherche de manière générale, et de PSDR. Et donc, ça, je suis extrêmement content, nonobstant mon incompétence notoire sur l'agronomie du territoire. La deuxième raison, c'est que Jean a été l'un des papas, on peut dire, de PSDR3. C'est-à-dire qu'à l'origine du programme PSDR3, dans les années 2007, où je n'étais pas encore aux affaires et où c'était Amédée Mollard qui dirigeait PSDR, Amédée Mollard que je dois excuser parce qu'il est malade et donc il n'a pas pu venir, il a été obligé d'annuler hier soir en dernière minute. Il a un problème personnel. Et je tiens à l'excuser ici. À cette époque-là, Jean a été l'un des promoteurs infatigables de PSDR, de PSDR3, et donc de cette dimension élargie à de nouvelles régions et à ses aspects pour et sur le développement régional. Et ça, je tiens à l'en remercier, puisque on lui doit tous ici quelque chose et quelque chose de très très important. Et puis la troisième raison, qui est quand même la meilleure, c'est que se pose un enjeu dans le PSDR, parmi les différents enjeux, il y en a beaucoup, qui est l'enjeu de la liaison entre les sciences biotechniques et les sciences sociales, puisque nous avons voulu en faire un programme pluridisciplinaire. Et à ce titre-là, se pose la question de la prise en compte des territoires ou du territoire par les sciences biotechniques, en particulier par l'agronomie. Et c'est une question qui est importante. C'est une question qui n'est pas facile et c'est une question à laquelle Jean va apporter des éléments de réponse. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important, à la fois en termes de bilan, mais aussi pour la suite des opérations de PSDR3, parce que ça nous concerne tous, que nous venions des sciences biotechniques ou des sciences sociales. À toi, Jean. Merci André. Bonjour à tous en vos diverses qualités. Et sans rancune pour le riche édance de tout à l'heure, je suis très honoré de vous présenter l'exposé dont vous avez l'intitulé exact, qui diffère un tout petit peu de celui qu'a indiqué André, sous les yeux, et que j'ai préparé avec quatre autres agronomes, Marc Benoît, Marianne Lebaille, François Vapie et Pierre Stengel. Alors, pour une discipline biotechnique comme l'agronomie, le développement territorial est-il un champ d'application et de recherche à part entière? Est-ce que c'est plus pour elle qu'un simple cadre de travail? Et inversement, quelle place doit-elle tenir dans les recherches finalisées qui concernent cet objet? Cette question, en fait, elle s'est posée en permanence dans le cours des programmes PSDR, et l'agronomie y a été fortement impliquée dès l'origine, à travers, bien sûr, leur fondateur Michel Sébillotte, mais aussi à travers de nombreux projets menés par des équipes d'agronomie. Il se trouve aussi que l'évolution récente des recherches en agronomie l'amène à revendiquer des dénominations telles qu'agronomie territoriale ou agronomie des territoires. Mais de quel territoire parlons-nous alors? S'agit-il du territoire ressource pour le développement territorial? La réflexion que nous vous présentons en réponse à ces questions a un caractère exploratoire. Ce n'est pas à proprement parler une synthèse, c'est plutôt un essai de repérage et balisage de champs de recherche qui s'appuie sur la consultation de plusieurs dizaines de collègues, praticiens ou chercheurs. Alors, notre vision du problème, c'est que la contribution de l'agronomie au développement territorial provient de trois champs de recherche et d'application étroitement apparentés et interfacés, mais distincts. L'approche spatiale du fonctionnement des agroécosystèmes, la gestion de l'espace
le développement territorial, que nous allons examiner successivement, dans un ordre qui correspond aujourd'hui, nous semble-t-il, à un gradient d'implication décroissante de l'agronomie. Au cours des dernières décennies, l'approche spatiale du fonctionnement des agroécosystèmes a été un front de progrès majeur pour l'agronomie. Ce progrès a en quelque sorte une base génétique. En tant que discipline, l'agronomie, c'est en effet l'étude scientifique des relations plantes-milieu technique en vue d'une gestion durable des espaces cultivés, ce qui permet de schématiser son objet d'étude par ce diagramme à quatre pôles qui, pour d'ailleurs une vision tout à fait exhaustive de l'agronomie, devrait, et orthodoxe, devrait inclure dans une diapositive en troisième dimension, ça sera le cas, l'agriculteur et ses processus de décision technique. Chacune de ces composantes fondamentales présente une variabilité spatio-temporelle importante et qui lui est propre. Et parmi ces composantes, celle qui est la plus identitaire de l'agronomie, c'est-à-dire les techniques culturales, répond à un déterminisme spécifique qui se joue à différentes échelles et niveaux d'organisation. L'itinéraire technique, propre à une culture, donc qui se détermine à l'échelle année-parcelle. Le système de culture, qui s'applique à des blocs de parcelles ayant les mêmes successions et itinéraires techniques, représentés ici par des couleurs différentes. Et puis, les systèmes de production. Mais en fait, ces gènes de spatialisation ne se sont pas exprimés de la même façon au cours du temps. Jusqu'à la fin des années 50, les revues d'agronomie étaient remplies de monographies régionales, avec des cartes géologiques et pédologiques auxquelles on faisait correspondre des normes phytotechniques d'origine empirique. À partir de 1950, et avec le développement d'une agronomie à visée plus explicative, s'opère une sorte de déspatialisation. L'entité spatiale privilégiée par les agronomes est alors non pas la parcelle, mais la station de quelques dizaines de mètres carrés. Mais dès cette phase se pose le problème de généralisation et de l'extension des diagnostics ou prescriptions stationnelles. À partir de fin 70, début 80, survient un faisceau de nouvelles problématiques: durabilité des systèmes de production et organisation de ces systèmes, qualité et compétitivité des filières et surtout environnement sous ses multiples aspects qui vont obliger les agronomes à ne plus se cantonner à la station et à la parcelle et à s'intéresser à l'organisation spatiale des cultures et systèmes de culture. Confrontés à ces enjeux, les agronomes ont développé différents types d'approches spatiales qui ont pour noyau central commun le couplage entre, d'une part, en vert, un modèle de fonctionnement de l'agroécosystème qui représente les variations de différentes fonctions objectifs ou variables d'intérêt en fonction des caractéristiques du milieu et des techniques. D'autre part, boîte mauve, la représentation de la variabilité spatio-temporelle des facteurs du milieu et des techniques. Et ce couplage aboutit, boîte jaune, à une représentation qui est souvent, mais pas nécessairement cartographique, de la variabilité spatio-temporelle de notre variable d'intérêt. Alors c'est ce qu'on a illustré ici, dans le cas d'une variable d'intérêt qui, au hasard, se trouve être le rendement du blé, grâce au couplage entre un modèle de fonctionnement de culture, le modèle STIX, qui est un modèle local, et des bases de données météorologiques et pédologiques, ici une carte des sols très détaillée, on va in fine représenter les variations du rendement maximum atteignable en conditions climatiques moyennes en fonction de la variabilité spatiale des sols. Une petite digression agronomique. Ici, nous sommes dans une région de plateau calcaire, où la profondeur des sols est très variable, y compris à l'intérieur même de parcelles agricoles qui sont de l'ordre de 15-20 hectares. Ce qui aboutit à des estimations de rendement, vous le voyez sur la carte des rendements, qui varient de près du simple au double au sein d'une même parcelle. Il y a donc discordance entre le parcellaire et la répartition spatiale des potentialités. Si on détermine les systèmes de culture en fonction des plages à forte potentialité, on va engendrer
non seulement des gaspillages et des excès d'intrants préjudiciables à toute une série de fonctions objectives, mais aussi, et plus fondamentalement, une inadéquation des choix de culture aux zones à plus faible potentialité, que ne pourra de toute façon pas résoudre, ne pourront pas résoudre les technologies dites d'agriculture de précision. Alors ici, c'était le rendement et les modèles de fonctionnement de culture qui nous servaient d'illustration, mais aujourd'hui, les variables d'intérêt de l'agronomie et les modèles de fonctionnement de l'agroécosystème correspondent à une grande diversité, d'une part, de thèmes et de fonctions objectifs, et puis, d'autre part, de degrés de complexité, depuis la corrélation linéaire que je vous ai représentée à gauche, entre les stades de développement, par exemple les nombres de feuilles, et puis les sommes de température, et puis jusqu'à des modèles intégrant un très grand nombre de processus élémentaires, tels que ce modèle de fonctionnement de culture, le célèbre STIX. Alors, première grande démarche de spatialisation caractéristique, le zonage préalable, pour laquelle le noyau central que nous avons évoqué à l'instant se réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire le repérage et la cartographie des contraintes et facteurs de premier ordre, afin de pré-cadrer les diagnostics ou des prescriptions, qu'on va ensuite affiner localement, et puis de définir, ce qui est très important en agronomie, des trames d'enquête statistique, ici c'est sur les teneurs en protéines du poids, ou d'expérimentation, par exemple pour structurer les réseaux d'évaluation des variétés, ou de surveillance biologique, par exemple ici, en cas d'apparition d'une mauvaise herbe préoccupante. Deuxième grande démarche, extrapolation-généralisation. Là, on veut étendre des diagnostics et des prescriptions locaux, et pour ça, on va appliquer de façon tout à fait typique et caractéristique le couplage que j'ai précédemment évoqué, et cette démarche pourrait être illustrée sur de très nombreux thèmes agronomiques. Le plus ancien et le plus couramment pratiqué étant sans doute le choix des espèces et des variétés, en l'occurrence de maïs, en fonction du climat, qui repose sur le modèle très simple, phénologie somme de température, que vous avez entrevu à l'instant. Troisième type de démarche, que nous avons appelé agrégation cumulative, et qui va s'appliquer par exemple à la production d'un bassin d'approvisionnement, autrement dit d'une unité de collecte ou de transformation agroalimentaire, sous le double aspect quantité et qualité des produits végétaux. Ou encore la réalimentation des aquifères profonds et des teneurs en nitrate lorsque prédominent des transferts verticaux. Dans ces cas, les fonctions objectifs et variables de sortie correspondantes se définissent à l'échelle d'entités spatiales plus ou moins étendues, éventuellement, et très souvent d'ailleurs, discordantes par rapport aux parcelles et exploitations agricoles. Et elles résultent de la combinaison additive de processus locaux indépendants les uns des autres. Leur analyse ou prédiction va se faire à partir d'une modélisation locale qu'on applique à des unités considérées comme homogènes du point de vue du sol et des systèmes de culture, et dont les résultats vont être agrégés par des combinaisons linéaires avec des coefficients de pondération plus ou moins sophistiqués. Par exemple, dans le cas où on cherche à prédire les teneurs en nitrate des aquifères, cette pondération va prendre en compte non seulement les surfaces occupées par les entités homogènes, sol, système de culture, mais aussi les quantités d'eau drainées à partir de ces unités. Alors j'illustre cela à partir d'un travail qui a été réalisé par nos collègues INRA de Laon, dans l'Aisne, donc une région de grande culture, et toujours à l'aide du modèle STIX. À gauche, vous avez une photo aérienne du bassin, qui est un morceau de plateau calcaire, avec au nord une cuesta et une ligne de source. À droite, vous avez une carte des sols, où on retrouve les patterns que j'ai évoqués précédemment, sol de bordure peu profond, discordance entre parcellaire et unité pédologique, et puis au centre, vous avez les simulations de concentration moyenne en nitrate des eaux de drainage pour chaque parcelle et en son sein unité de sol, compte tenu des systèmes de culture pratiqués, et ça varie de 15 à 160 mg par litre de nitrate, avec en tendance des valeurs plus fortes
en bordure de plateau et sur quelques petites plages de sol sableux au centre du plateau, en rouge. Enfin, au-dessus, vous avez des chiffres de simulation de valeur moyenne à l'échelle de l'ensemble du bassin. Je ne commande pas ces chiffres qui correspondent à différents scénarios. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que les agronomes sont désormais capables de réaliser ces simulations ou d'y contribuer avec d'autres si elles se font à des échelles qui impliquent plus de complexité du point de vue hydrologique et géochimique. C'est notamment ce qui a été fait par certains de nos collègues pour participer aux simulations de teneur en nitrate à l'exutoire du bassin de la Seine. Magnifique travail. Et puis, je voulais insister aussi sur le fait que l'influence des systèmes de culture est une part très importante et qu'elle dépend énormément de leur localisation par rapport à celle des sols. Avec ce contraste que nous retrouvons entre des sols profonds à forte réserve hydrique, forte potentialité de production, drainage hydrique relativement faible, puisqu'ils ont des fortes réserves utiles, fuite de nitrate faible à modérée, même avec des systèmes de culture intensifs, à condition qu'on leur applique une fertilisation très strictement raisonnée et des cultures intermédiaires pièges à nitrate. Et puis, des sols peu profonds qui, selon les systèmes de culture qui leur est appliqué, peuvent avoir joué soit un rôle épurateur, soit à l'opposé, un rôle très polluant, ayant en fait une contribution assez faible à la production globale du bassin, mais une contribution très forte à la réalimentation de l'aquifère. Et vous comprenez que les possibilités de jouer sur ces interactions sol-système de culture va beaucoup dépendre de la configuration du parcellaire. Quatrième et dernier grand type de démarche que nous avons appelé intégration spatiale et qui exemplairement va s'appliquer à des problématiques de ruissellement, d'érosion et de maîtrise des nuisances associées. Dans ce cas, à nouveau, les fonctions objectifs et variables de sortie correspondantes se définissent à l'échelle d'entités spatiales qui sont discordantes par rapport aux parcelles et exploitations. Par exemple, le petit bassin versant qui alimente le réseau de Talweg où se concentre le ruissellement en cas de pluie suffisamment intense. Mais à la différence du cas précédent, ces fonctions objectifs ou variables d'intérêt résultent de la combinaison de processus qui ne sont plus indépendants, mais qui sont au contraire interdépendants et différenciés selon les sites. C'est notamment le cas lorsqu'on a affaire à des, comme ici, à des transferts latéraux. Genèse du ruissellement sur certaines parcelles et pas dans d'autres. Écoulement diffus ou concentré sur les chemins d'eau, ici en rouge. Arrachement de terre selon divers mécanismes et en différents sites. Transport et dépôt de sédiments, là encore, en certains lieux. Ici, il y a donc une double discordance entre les limites du bassin et puis le parcellaire et les entités entre le parcellaire et les limites du bassin, mais aussi entre le parcellaire et puis ces sites fonctionnels que j'ai représentés au sein du bassin. Réciproquement, d'ailleurs, les sites jouent des rôles fonctionnels différents selon leurs caractéristiques et selon la situation topographique. Les processus clés à considérer sont extrêmement différents. Sur les pentes faibles, sur les zones en pente faible incluses dans l'impluvium, on va s'intéresser à la battance, à la formation du ruissellement, à l'érosion diffuse. Sur des versants en pente un peu plus forte, au même processus, plus à l'érosion de type rill-inter-rill, c'est une certaine forme d'érosion. Sur les axes de concentration, on aura de l'érosion en ravine qui répond à des processus très différents. Et la modélisation va donc se développer à l'échelle de ces entités complexes et prendre en compte leur structure interne. Le rôle de l'agronomie dans cette modélisation est très important parce que le rôle des systèmes de culture, à nouveau, est très important. Mais surtout, il s'exerce de façon différenciée selon les sites fonctionnels et les processus considérés. D'ailleurs, du coup, les recommandations à faire vont être extrêmement différentes selon les sites auxquels elles s'appliquent. Par exemple, le non-travail du sol, qui est souvent considéré comme une espèce de panacée universelle par rapport à l'érosion. Il est très recommandable au niveau des axes de concentration et des versants en pente forte,
Mais dans les zones d'impluvium peu inclinées, il risque d'accroître le ruissellement. Et donc, il est assez souvent à proscrit. La démarche d'intégration spatiale que nous avons illustrée à l'instant à propos de l'érosion s'applique aussi dans ces grandes lignes aux dynamiques spatio-temporelles d'organismes vivants. Par exemple, aux dynamiques des populations de bioagresseurs ou d'auxiliaires, ou aux flux de gènes qui sont impliqués dans les problématiques de pollution génétique. Ce secteur représente un défi et un domaine d'investissement prioritaire du fait des enjeux de réduction d'usage des pesticides et de biodiversité. Il est l'objet de très nombreux travaux récents ou en cours qui concernent précisément l'influence des systèmes de culture sur ces dynamiques en interaction avec la structure du paysage, avec comme problème transversal et véritablement majeur pour tout ce domaine, celui de la multiplicité des organismes concernés et de l'infinie diversité des dynamiques correspondantes. D'où cette question centrale: y a-t-il des groupes de phénomènes et des troncs communs dans leur modélisation, des propriétés globales des paysages qui seraient valables pour un certain nombre de catégories d'organismes sans qu'on ait à complètement fragmenter l'approche? Et ce n'est pas seulement fragmenté, ce serait littéralement explosé. À titre de conclusion provisoire, retenons de cette première partie que l'agronomie a réalisé ces 20 dernières années des progrès substantiels qui permettent de rendre compte des rôles respectifs du milieu, des systèmes de culture, de leurs interactions, et ce sur un éventail de plus en plus large de fonctions objectives, de mettre en évidence l'ampleur des effets qui sont liés aux organisations spatiales respectives du milieu et des systèmes de culture, et d'esquisser des alternatives, je pense en particulier à l'expérimentation virtuelle, à l'expérimentation comparative classique de terrain, qui est tout à fait inopérante vis-à-vis de nombreuses problématiques où la dimension spatiale est prégnante, et notamment de problématiques environnementales. Mais alors, comment valoriser ces acquis dans la pratique ? Il faut pour cela être capable de les intégrer dans une ou des ou la gestion de l'espace. Et ceci est l'objet de notre deuxième partie. À ce stade, nous ajoutons une dimension supplémentaire: les acteurs et leurs comportements. Ces acteurs sont multiples et interdépendants. Leurs objectifs et les fonctions ou critères qui les traduisent le sont aussi. Et l'agriculture n'est alors qu'un des sous-ensembles à considérer. Mais en fait, elle a quand même un rôle privilégié en raison des surfaces qu'elle occupe, 56% en France à l'échelle nationale, et de la diversité et de l'intensité des effets qu'elle exerce sur les fonctions d'intérêt, notamment les fonctions environnementales. La contribution de l'agronomie va consister à faire en sorte que les choix et processus de décision technique des agriculteurs s'intègrent, et même dans un certain nombre de cas, contribuent à une gestion de l'espace globale et multifonctionnelle. Mais le problème, c'est que cette gestion de l'espace globale, c'est virtuel. C'est la résultante d'une multitude de gestions sectorielles. Et donc, pour caractériser la contribution de l'agronomie, sans nous perdre dans une myriade de cas particuliers, nous avons considéré que cette multitude pouvait être réduite, là encore, à un nombre limité de grands types de démarches, parmi lesquels nous allons retenir 4 cas illustratifs. Premier cas illustratif, zonage et affectation. Dans ce premier cas, l'agronomie peut aider à déterminer les traits pertinents du milieu ou des pratiques qui vont faire en sorte que l'on détermine et distingue les zones les unes par rapport aux autres, vis-à-vis de telle ou telle fonction objectif, et notamment, bien sûr, celles qui sont les plus directement liées à l'activité agricole. Elle va aider à décrire et comprendre leur répartition spatio-temporelle, et puis elle va contribuer, avec d'autres, à hiérarchiser et combiner les critères pour identifier et choisir les options d'affectation. L'intérêt de cet apport peut être illustré dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme quand il va s'agir d'affecter des terrains aux différents types d'occupation des sols ou d'activités. Dans le travail qui est évoqué ici, on a élaboré, notre collègue Patrick Le Gouet a élaboré deux algorithmes
qui, à partir des informations disponibles sur le sol, le climat et les pratiques culturales, permettent de calculer des notes globales de qualité des sols, indexées sur des potentialités de production, et des scores de risque d'érosion. Et puis, in fine, ça permet de fournir aux instances qui délibèrent des représentations cartographiques qui vont les aider à mesurer les impacts de tel ou tel scénario d'affectation. Un autre exemple caractéristique concerne la délimitation des aires d'appellation d'origine contrôlée. Sur la base de travaux d'écophysiologie de la vigne, nos collègues agronomes d'Angers délimitent ce qu'ils appellent des unités terroirs de base, qui correspondent à des comportements homogènes de la vigne, et ils émettent, donc ce sont toutes ces pastilles que vous avez en haut de la légende à droite, et qui correspondent à des unités de relativement faible taille sur le terrain. Et en fait, ils vont émettre des recommandations quant au mélange, à la gamme des unités terroirs de base, qui leur semble compatible avec les caractéristiques qui sont recherchées pour telle ou telle appellation. Et là, c'est les périmètres cerclés de bleu ou de rouge. Et ça va être très utile en cas, par exemple, de révision des contours ou de création et de délimitation donc d'une nouvelle appellation, ce qui arrive encore assez souvent. Deuxième cas illustratif de démarche relative à la gestion de l'espace, l'aménagement. Jusqu'à une période récente, elle relevait plutôt du génie rural. Mais aujourd'hui, l'agronomie peut contribuer à un aménagement intégré et multifonctionnel. Intégré, ça veut dire deux choses. D'une part, assurer une continuité et une complémentarité entre différents niveaux d'aménagement, depuis l'intraparcellaire jusqu'à celui de l'espace communal ou plus, qui inclut des espaces non agricoles. Et puis ça veut dire aussi prendre en compte les systèmes de culture dans la localisation et le dimensionnement des aménagements. Puisque, d'une part, les systèmes de culture vont moduler l'intensité des phénomènes qu'on veut contrôler, donc il faut bien tenir compte de cette modulation, de cette influence. Par exemple, à l'aval d'une parcelle qui, de par les systèmes de culture qu'on leur applique, ruisselle peu, on ne va pas dimensionner les ouvrages de la même façon que si les systèmes de culture font que ça ruisselle beaucoup. Et puis aussi, en sens inverse, les systèmes de culture vont être impactés par les aménagements que l'on installe et il ne faut pas qu'ils soient exagérément perturbés. Et ça va susciter notamment beaucoup des études concernant, qui devraient d'ailleurs être un peu plus développées, concernant en quelque sorte réactiver les temps de travaux et la circulation des engins. Alors, la dénomination que prend cet aménagement intégré quand il s'agit de maîtriser le ruissellement et l'érosion dans une région comme le Pays de Caux, où ils sont très importants, est tout à fait sympathique. Ça s'appelle hydraulique douce. Avec ici un flash au niveau de la parcelle montrant deux aménagements caractéristiques, les haies filtrantes et puis les bandes enherbées, et puis un autre flash qui, lui, se situe à l'échelle d'une commune, c'est-à-dire la réunion de trois ou quatre bassins versants élémentaires, tels qu'on les a schématisés tout à l'heure, et où sont répartis de façon raisonnée une panoplie de mesures, y compris, et c'est ce qui figure en ce sont les plages vertes et marron qui figurent sur la carte, portant sur l'occupation du sol à l'intérieur des parcelles. Pourquoi appelle-t-on cela de l'hydraulique douce? Parce que le coût de ces aménagements intégrés est en général en fait très inférieur à celui d'ouvrages plus importants, plus pérennes, conçus à l'extérieur des espaces cultivés et indépendamment de ce qui s'y passe. Mais revenons à la notion de multifonctionnalité que nous avons également invoquée. Donc il faut entendre par là prise en compte simultanée de plusieurs objectifs. Autrement dit, il s'agit de concevoir la haie filtrante ou la bande enherbée que on a illustrée tout à l'heure, de telle sorte qu'elle réponde aussi à des fonctions, mettons, cinégétiques ou phytosanitaires, abris d'auxiliaires, ou paysagères. Les praticiens de l'aménagement sont très demandeurs de cela, mais pour le faire sur des bases vraiment rationnelles, il y a certainement beaucoup de recherches à mener, qui sont d'ailleurs en cours. Et l'important, c'est que cet ensemble de recherches serait valorisé dans le cadre de
nouveau nom, du nouveau look que prennent les remembrements, c'est-à-dire les aménagements fonciers, agricoles et forestiers. Et nous pensons que dans le futur, ce devrait être un débouché majeur de l'agronomie en synergie avec d'autres disciplines, dont bien sûr l'écologie et le paysage. Troisième catégorie de démarches et de problématiques de gestion de l'espace, planification et ou pilotage des activités dans l'espace. Dans ce cas, il s'agit soit de définir a priori, soit de mettre en œuvre en temps réel des procédures d'intervention différenciées dans l'espace. C'est plutôt de la gestion dans l'espace que de l'espace, à proprement parler, qui peuvent impliquer des déplacements, de la logistique, de la coordination entre plusieurs agents. En voici quelques exemples, et dans chaque cas, nous aurions pu vous présenter des travaux, c'est un crève-cœur de ne pas vous les montrer, et ça aurait montré que, dans chaque cas, la contribution de l'agronomie consiste à analyser l'influence des systèmes de culture et de leur organisation spatiale sur le fonctionnement de l'entité de gestion. Ce qui permet de proposer des stratégies, des indicateurs, des règles de décision pour soit maîtriser, soit même éventuellement valoriser la variabilité qui est induite par les systèmes de culture et leur organisation spatiale au service des objectifs de gestion. Alors prenons le cas d'une coopérative de collecte de céréales. Elle va chercher à constituer des lots homogènes pour la commercialisation et à optimiser cette constitution en fonction d'une part de la variabilité des rendements et de la qualité obtenue au niveau des parcelles et exploitations, des coûts de collecte et de stockage qui eux-mêmes dépendent de la longueur des circuits et du degré de segmentation, des relations prix-qualité, etc. Et pour raisonner ça, il va falloir se doter d'une représentation globale du fonctionnement du bassin d'approvisionnement qui, de façon très schématique, va comporter trois volets. L'élaboration du rendement et de la qualité au niveau de chaque parcelle, la distribution spatio-temporelle des facteurs qui sont à l'origine de la variabilité des rendements et de la qualité, climat, sol, etc. Et puis enfin, le système de collecte qui agrège progressivement ce qui est produit au niveau de chaque parcelle et converge vers les silos portuaires. Et cela permet d'envisager différentes stratégies de gestion de la qualité, ici de manière extrêmement schématique et de gauche à droite, une stratégie qui reposerait sur l'homogénéisation maximum au niveau de chaque parcelle, une autre qui se contenterait de trier, et puis une troisième qui chercherait à distinguer, à segmenter en quelque sorte au maximum en utilisant la variabilité provenant du milieu et des systèmes de culture et de leurs interactions. Alors, en fait, ces stratégies, qui peuvent être évidemment beaucoup plus raffinées et variées, vont être très discriminantes quant à la compétitivité économique du bassin. D'autre part, elles vont correspondre effectivement à des stratégies de conseil agronomique extrêmement différenciées et à des schémas logistiques très différents. Quatrième et dernière grande catégorie, les dispositifs et procédures de décision collective. Du fait de la pluralité des acteurs concernés, les démarches de gestion de l'espace nécessitent, doivent être élaborées et mises en œuvre de façon collective et concertée, ce qui nécessite des cadres, des méthodes et des outils appropriés que les disciplines technologiques ne sont pas toujours très à l'aise pour élaborer ou pour s'y insérer. Or, il se trouve que, notamment de par ses antécédents de lien au développement agricole, l'agronomie a dans ce domaine un background intéressant. La forme la plus classique sous laquelle s'exprime cette contribution, c'est l'élaboration de scénarios reposant sur des variantes impliquant à des degrés divers les systèmes de culture et leur évaluation, si possible, multicritère. Ici, vous avez l'illustration de travaux qui sont certainement amenés à beaucoup se développer à l'avenir, d'application de la méthode de l'analyse des cycles de vie à l'échelle d'un espace de gestion. Et en l'occurrence, il s'agit de deux petites régions adjacentes, l'une de production porcine intensive, l'autre de production céréalière dominante,
et on compare deux scénarios, l'un de couplage avec transfert et valorisation agronomique, notamment dans la région céréalière, des lisiers, l'autre, au contraire, de cloisonnement des deux espaces, avec traitement industriel du lisier d'un côté, importation d'engrais chimiques de l'autre. Le premier scénario apparaissant comme beaucoup plus favorable sur le plan environnemental. Mais les agronomes ont d'ores et déjà à leur actif des expériences d'implication beaucoup plus profondes dans les processus d'apprentissage et de concertation et de négociation collective appliqués à la gestion de l'espace à travers les démarches dites de modélisation d'accompagnement. Ces démarches s'appuient sur l'utilisation conjointe de modèles de simulation des phénomènes que l'on veut gérer et de modèles ou de méthodes de représentation des comportements des acteurs qui peuvent être soit des jeux de rôle, soit des systèmes multi-agents. Et tout ça se fait assez souvent avec l'aide des systèmes d'information géographique. Cette modélisation d'accompagnement se caractérise par une interaction forte et prolongée entre experts et acteurs, ces derniers intervenant dès les premières étapes, tout au long, et bien sûr à la fin du processus, quand il s'agit, quand on est proche de la décision. Et pour qu'ils puissent intervenir, en fait, il faut un séquencement assez codifié, qui est représenté ici, sous forme de 12 étapes d'un cycle de modélisation qui correspondait, en l'occurrence, à un thème qui, à nouveau, était la maîtrise de l'érosion. Mais dans sa forme la plus élaborée, la modélisation d'accompagnement comporte plusieurs cycles qui sont focalisés sur différentes problématiques qui découlent les unes des autres. Dans cet exemple, le premier cycle a porté sur la maîtrise de l'érosion, le deuxième sur le financement des plantations de vergers, c'est-à-dire des couverts pérennes qui vont justement permettre de contrôler l'érosion, mais si on veut les pratiquer, il faut faire quelque chose sur le plan financier et le faire de manière aussi possible, autant que possible équitable, sinon ça ne se fait pas. Et puis le troisième cycle a porté sur la gestion de l'eau pour irriguer ces vergers. Et là aussi, il y a du collectif. Et ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont suscité ces cycles successifs. Vous imaginez l'adresse et la flexibilité absolument géniale des génies que constituent ces informaticiens et dont les agronomes ont absolument besoin dans ce type de démarche. Mais il faut vraiment les fréquenter. Alors, pour conclure cette deuxième partie sur la gestion de l'espace, on va retenir trois points et une grande question. L'agronomie est en mesure d'apporter une contribution substantielle à la gestion de l'espace, d'une part parce que certaines innovations locales, non spatiales, peuvent être déterminantes, d'autre part parce que la gestion spatio-temporelle des systèmes de culture, en fonction de la variabilité du milieu et la prise en compte des processus spatiaux, apporte des marges de manœuvre importantes et, autant dire, très méconnues pour conjuguer production et environnement. Et très sous-utilisé. Pour valoriser ces marges de manœuvre, nous avons deux interférences majeures avec les questions foncières. D'une part, la configuration du parcellaire, autant dire l'inadéquation généralisée du parcellaire à la variabilité spatiale du milieu, et d'autre part, la gestion individuelle du foncier qui peut entraver l'application de telle ou telle mesure d'intérêt collectif à l'endroit approprié, ou créer des discontinuités dans la mise en œuvre d'une mesure qui devrait couvrir tout l'espace pour être efficace. Troisième point, la gestion des processus biologiques et des fonctions objectives correspondantes, dont la biodiversité est un domaine crucial, où l'ingénierie reste largement à construire, c'est en cours. Mais alors, et on arrive à la question de transition avec la troisième partie, comment faire face à l'élargissement du champ de travail, avec plein de thématiques en cours d'émergence, la multiplicité des acteurs et la divergence de leurs objectifs, et puis la multiplicité des gestions sectorielles qui en est le corollaire et qui sont plus ou moins difficiles à intégrer. Que ce soit au niveau des acteurs de la gestion de l'espace ou des chercheurs en agronomie qui veulent contribuer à cette gestion de l'espace, les problèmes de priorisation,
de coordination et d'intégration se pose avec acuité. Or, c'est précisément en passant des gestions de l'espace au développement de territorial que cela s'opère. Ce qui nous amène à notre troisième partie. Et s'agissant de développement territorial, les géographes nous incitent à être assez restrictifs dans l'emploi des termes. Pour qualifier de territoire un espace géré, il faut qu'il y ait projet de développement intégrateur et non sectoriel, gouvernance et sentiment d'appartenance s'appliquant à cet espace. Cela nous amène à centrer notre analyse sur l'élaboration du projet de développement territorial, car cette phase va être à la fois génératrice des processus de priorisation, coordination, intégration dont nous avons besoin, et révélatrice, donc, de ce que peut être l'apport de l'agronomie au développement territorial. Mais quand on cherche à inventorier ce que sont en pratique et en France, les projets de développement territorial, eh bien, je vous assure que ça s'apparente à un travail de chercheur d'or. Parmi la multitude des schémas directeurs, plans stratégiques et autres projets préalables aux aménagements, où le mot territorial est très abondant et intervient pratiquement 3 fois par page, la très grande majorité ont un caractère sectoriel. Et en définitive, les avis de tous les experts que nous avons consultés, y compris un certain nombre dans la salle, sur lesquels je compte pour me défendre si je suis attaqué sur ce point, ont convergé vers 3 démarches qui semblent bien être celles qui s'apparentent le moins mal au concept de territoire et de développement territorial. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire, qui sont élaborés par les conseils régionaux pour cadrer la politique des régions dans leur domaine de compétences, dont le développement économique. Les schémas de cohérence territoriale, qui sont élaborés à l'échelle de quelques intercommunalités, souvent les pays, dans une perspective d'aménagement du territoire. Et puis les chartes des parcs naturels régionaux, qui correspondent à un grain à peu près du même ordre en taille que les SCOT, mais avec, bien sûr, une finalité à la fois plus large de mise en valeur et plus sélective, puisque c'est la mise en valeur de ressources à caractère identitaire. À grands traits, que ressort-il de cet examen qui se mesure en kilogrammes de papier, en hectogrammes, en kilogrammes. D'abord, un certain nombre de traits communs quant à la prise en compte de l'agriculture. Place importante donnée à la problématique d'occupation de l'espace, considérée à la fois comme condition et comme conséquence de l'activité agricole. Approche technico-économique, principalement par filière. Vision globale et peu différenciée des formes et modes d'agriculture, en exagérant à peine agribio versus tout le reste. Forte implication de l'agriculture, mais indirecte et plus ou moins implicite, via les problématiques environnementales qui ont dans ces documents une place très importante. Et par exemple, jamais, avant de les consulter assez longuement, je n'aurais pensé et je ne savais que les problématiques de trame verte et trame bleue n'avaient depuis aussi longtemps autant d'importance. Identification récurrente de quelques cibles de soutien volontaristes, filières fragiles ou émergentes, circuits courts, agriculture biologique, etc. En complément de ces traits communs, et toujours pour ce qui est de la prise en compte de l'agriculture, un certain nombre de traits plus spécifiques à chacun des types de projets. Pour les SRAT, cette prise en compte, en fait, est globalement un constat plutôt qu'un projet d'évolution, en gros. Sauf peut-être pour ce qui concerne les dispositifs d'innovation. En fait, tout se passe comme si on considérait que les leviers d'évolution de l'agriculture étaient ailleurs. Pour les SCOT, évidemment, l'agriculture est considérée avant tout du point de vue de l'occupation de l'espace, c'est-à-dire de la quantité et de la qualité des espaces qu'il faut lui réserver, compte tenu de ses besoins propres, mais aussi compte tenu du fait que c'est une alliée pour une urbanisation durable à travers
la maîtrise de l'étalement urbain ou la fourniture de biens et services pour les résidents urbains et périurbains. Et enfin, dans les chartes des PNR, cette prise en compte est plus consistante, comme on va le voir, mais ciblée sur des productions et filières identitaires. Donc elle a quand même un peu tendance, dans ce cas, à délaisser les productions de masse, avec une approche qui est quand même beaucoup plus complète et fouillée que dans les deux cas précédents, aussi bien du point de vue de la valorisation économique que du point de vue de l'innovation technique. Compte tenu des finalités de ces documents, de leur mode d'élaboration, de leur format, et donc en veillant bien à ne pas les dénaturer, à ne pas les transformer en usine à gaz comme les agronomes seraient capables de le faire. Que pourrait être la contribution de l'agronomie ? Parmi les assez nombreuses idées que nous avons soumises à des praticiens de ces démarches, quelques-unes ont résisté, notamment dans les rubriques suivantes. Et donc, nous pensons qu'elles pourraient être accueillies dans ces projets. Identification des innovations agronomiques cruciales pour un territoire donné et sur lesquelles pourraient être ciblées des actions de coordination, par exemple des régions, ou de soutien à la R&D. Description et zonage des milieux en lien avec l'activité agricole, par exemple pour préserver les terres, les meilleures terres, les espaces qui conviennent. Évaluation des potentialités et des risques liés aux productions végétales et aux systèmes de culture et à leur localisation, par exemple pour apprécier les atouts et les faiblesses de telle ou telle filière, ou pour cibler des mesures agro-environnementales territorialisées. Remembrement agroécologique, bon, c'est l'idée qu'on a évoquée précédemment. Organisation territoriale des filières et des activités, évaluation multicritère associée. Comment structurer les bassins d'approvisionnement pour qu'ils et les faire fonctionner pour qu'ils soient performants à la fois du point de vue économique et environnemental. Et pour vous montrer que cette idée d'organisation territoriale multifonctionnelle des filières et des activités n'est pas purement théorique, ce flash sur la mise en œuvre dans une commune autrichienne d'un projet d'autonomie énergétique qui est basé sur diverses sources de biomasse agricole, résidus d'élevage et cultures pérennes de type miscanthus. Ce projet permet également de maîtriser les flux d'azote et la qualité de l'eau et accessoirement de développer un tourisme industriel. Retour à la dure réalité des projets de développement territorial tels qu'ils sont en France, c'est-à-dire dépourvus d'agronomie. Pourquoi est-ce le cas ? Bien d'abord parce que finalement, sauf peut-être dans le cas d'un certain nombre de PNR, et encore, l'agriculture est qualitativement peu présente dans les projets de développement territorial, comme nous l'avons vu dans le survol précédent. Entre autres raisons, on peut avancer que, bon, une raison assez évidente, le développement territorial, en fait, les projets, en tout cas, sont pilotés par la ville et ses experts. Ce sont eux qui sont à la manœuvre pour instruire et rédiger les projets. Et ils le seront de plus en plus au fur et à mesure que les groupes d'intercommunalité qui sont la base de l'élaboration de ces projets vont être de taille de plus en plus importante, ce qui est sans doute tendanciel. Un autre groupe de raisons, c'est qu'en France, finalement, la politique agricole court-circuite les territoires, quoi qu'on en dise. Beaucoup de règles et de normes sont fixées de façon assez précise, ou en tout cas assez contraignante, au niveau européen et national, même si leur mise en œuvre est modulée localement. C'est un processus de déconcentration et non de territorialisation. Enfin, dans certains cas, et c'est un peu un corollaire, la profession agricole perçoit les projets de développement territorial comme potentiellement générateurs de contraintes et s'implique dans leur élaboration, finalement, de façon plutôt réactive pour commenter et éventuellement refuser certaines solutions qui sortent de ces projets plutôt que proactives. Ces deux derniers points peuvent évoluer, notamment si certaines innovations dont il est question pour la future nouvelle PAC voient effectivement le jour en 2013. Mais si l'agronomie est absente des projets de développement territorial, c'est aussi parce qu'elle ne cherche guère elle n'y est guère convoquée et ne cherche pas tellement à l'être. Et là encore, pour diverses raisons.
J'en évoque deux. Premièrement, son éloignement culturel vis-à-vis de certaines communautés professionnelles, comme par exemple celle de l'urbanisme, mais aussi vis-à-vis des sphères où s'élaborent les politiques publiques, notamment relatives au développement territorial, et l'ignorance mutuelle qui en résulte. Et puis, un certain manque de familiarité avec les échelles de travail auxquelles s'appliquent les projets de développement territorial, qui finalement nous mettent un peu en porte-à-faux par rapport à notre double quête de précision opérationnelle, qui nous fait un petit peu foncer à la parcelle, adorer la parcelle, vérifier que c'est bien à la parcelle que nos prescriptions marchent, et puis notre souci inverse de généricité qui nous oriente plutôt vers nation et continent. Est-ce que ce sont des traits spécifiquement français ? Ben, sans doute en partie oui, parce que les agronomes allemands ou anglo-saxons, ou d'Europe du Nord publient en tendance plus souvent que nous dans des revues de sciences politiques et sociales sur ces questions. Alors comment faire pour mieux valoriser les apports possibles de l'agronomie ? Il nous semble que la réponse ne relève pas du tout seulement de l'expertise, mais que ça nécessite une démarche de recherche-action, exactement du type de celle qui est mise en œuvre dans le cadre des programmes PSDR, avec comme première étape incontournable de repérer les objets et questions à traiter. Ce que nous n'avons pas eu la possibilité de faire de manière très exhaustive, mais on va quand même vous proposer un exemple de piste. D'un point de vue scientifique et cognitif, nous suggérons par exemple que l'on s'intéresse au processus d'incorporation ou de rejet des apports agronomiques et écologiques dans les démarches politiques, comme le sont les démarches d'élaboration des projets de développement territorial. Comment ces démarches sollicitent ou intègrent-elles ces apports et comment, en sens inverse, ces apports doivent-ils être formulés pour être intégrables dans ces démarches ? D'un point de vue plus appliqué, et d'ailleurs sans séparer les deux, car il serait déraisonnable d'aborder ce premier volet que je viens d'évoquer sans être ancré dans des démarches concrètes, il nous semblerait opportun qu'un certain nombre de projets PSDR soient directement liés à l'élaboration des projets de développement territorial, ce qui implique d'identifier des chantiers pilotes où seraient à constituer des tours de table adéquats, bien entendu élargis par rapport aux tours de table classiques de la R&D agronomique. Au passage, ne serait-ce pas l'occasion de porter un regard neuf, critique mais constructif, sur les chambres d'agriculture et leur contribution potentielle au projet de développement territorial. Pour l'agronomie elle-même, cette orientation serait enrichissante et ouvrirait des perspectives novatrices. Accorder plus d'intérêt à des problématiques et contextes autres qu'agricoles ou ruraux, entre autres les problématiques et milieux urbains, faire de la formulation des énoncés agronomiques un chantier à part entière, en s'attachant notamment à mieux distinguer différents niveaux de généricité ou de spécificité dans les énoncés prescriptifs, et à établir des correspondances entre ces niveaux et les niveaux d'organisation territoriale. Concrètement, c'est exactement ce que nous sommes amenés à faire en ce moment même pour la fertilisation azotée, où on nous demande de répartir de manière moins chaotique, plus compréhensible et plus rationnelle les principes généraux qui peuvent s'appliquer à l'échelle Union européenne ou France entière, des corps de règles ou des ensembles de prescriptions et de référentiels qui peuvent s'appliquer à l'échelle régionale, et puis des corps ou des référentiels et des règles qui vont très précisément s'appliquer et être vérifiables au niveau d'une parcelle et de chaque exploitation. Mais ce qui est remarquable dans le cas de la fertilisation azotée, c'est que nous le faisons trop tard, a posteriori et sous la pression du contentieux européen. Alors, troisième élément, c'est que, ayant fait ce travail sur la formulation des énoncés agronomiques, ça nous amènerait à étudier et à nous intéresser à l'association de ces énoncés avec des énoncés politiques et juridiques.
Tout ça ayant sans aucun doute des répercussions en termes de débouchés professionnels et de formation. Pour conclure, agronomie et développement territorial ont besoin l'un de l'autre. L'agronomie peut non seulement accroître la consistance et la portée opérationnelle des projets de développement territorial, mais aussi, et plus en amont, contribuer à élargir le champ des possibles. En sens inverse, le développement territorial peut constituer pour l'agronomie un cadre d'accueil très stimulant. Cette utilité réciproque est sans doute transposable à d'autres disciplines biotechniques, à elles de faire le même travail. Mais il faut être lucide sur le saut qualitatif à franchir entre contribuer à la gestion de l'espace et contribuer au développement territorial. Des vocables tels qu'agronomie territoriale ou agronomie territoriale des territoires sont recevables et très sympathiques, mais attention à ce qu'ils ne masquent pas ce saut qualitatif. La poursuite des programmes PSDR serait évidemment très propice à des progrès dans ce sens, mais à quatre conditions. Élargir l'interdisciplinarité aux sciences politiques et juridiques, impliquer les disciplines biotechniques plus en amont du champ d'études, identifier l'élaboration des projets de développement territorial comme sujet de recherche, déjà d'observation, de recherche et champ d'application important, leur donner une dimension internationale à travers des approches comparatives sur cette élaboration des projets de développement territorial. Merci de votre patiente attention. Bien, merci beaucoup Jean pour ce panorama très, très étendu et très, très complet. Donc on a le temps pour prendre nombreuses questions. Bon, je ne voulais pas commencer, mais d'abord merci Jean de cet apport extrêmement stimulant. Mais je me posais une question de coordination des acteurs, parce que tu as parlé de prendre en compte les systèmes de culture dans les projets d'aménagement. Or, les acteurs ne sont pas les mêmes et, disons, la fixité, je ne sais pas si je caractérise bien, dans le temps, de ces deux types d'actions, potentiellement, sont aussi déconnectées. Donc, comment est-ce que tu imagines des recouplages ? Alors, d'un point de vue, je dirais, très empirique et pratique, dans le cas de l'hydraulique douce, par exemple, quand je suis arrivé dans l'Aisne et que j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, ce que tu viens de dire était totalement vrai. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout des agronomes qui étaient impliqués dans les bureaux d'études. Et en fait, quand j'ai recommencé un semblant d'enquête il y a quelques mois, ça a complètement changé. Je ne dis pas que ça représente des centaines d'ingénieurs, etc. Mais en fait, il me semble que dans ce cas particulier, il y a eu finalement une migration des agronomes vers ces métiers d'aménagement. Et que je ne vois pas pourquoi ça ne se produirait pas aussi dans d'autres domaines, et en particulier ceux qui sont de l'ordre des aménagements agroécologiques pour la protection intégrée, etc. Puisque le fond de connaissances et d'ingénierie qui est impliqué est pour partie de l'agronomie ou de l'agroécologie, en l'occurrence, c'est tout à fait le mot qui me semble convenir. Et donc, il me semble que cette coordination ou cette disjonction des acteurs, en réalité, ça dépend beaucoup de l'agronomie et des agronomes de la faire évoluer. Ça dépend énormément de l'enseignement qui est dispensé en agronomie, des recherches en agronomie et des liens qui peuvent s'établir entre les instances qui sont les maîtres d'ouvrage de ces aménagements et puis les agronomes. Et donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, les programmes PSDR sont un instrument absolument extraordinaire parce que c'est finalement ça qui donne aux maîtres d'ouvrage l'idée que l'agronomie est une des compétences qu'ils doivent mettre en œuvre pour arriver à ces choses-là. Donc je pense que tu décris une situation qui peut être mouvante et modifiée, mais c'est une responsabilité de communautés scientifiques et techniques.
Philippe Méraud de INRA-REN et Projet Climaster. Donc moi j'ai aussi beaucoup apprécié ton exposé, mais je voudrais intervenir sur la façon dont tu as donc l'exemple que tu as pris sur la notion d'intégration spatiale, hein, tu avais l'agrégation puis l'intégration spatiale, et tu as pris l'exemple donc plutôt de tous les processus de surface, hein, qui vont entraîner les pesticides, érosion particulière, etc. Et tu as rangé ensuite dans ce qui était le zonage et l'affectation, un aménagement plutôt intégré et multifonctionnel. Il me semble que dans l'intégration spatiale, il faudrait également intégrer, enfin j'ai deux points à proposer. Il faudrait aussi intégrer là-dedans ce qui est, je dirais, l'allocation spatiale et les interactions avec les espaces non cultivés ou les espaces semi-cultivés, comme partie intégrante de l'agriculture et d'une approche agronomique des territoires. Puisque pour les écoulements, notamment souterrains ou de subsurface, on va avoir un rôle important de ces espaces non cultivés ou de ces espaces non cultivés, qu'il faudrait donc prendre comme partie intégrante d'une approche territoriale de l'agriculture, avec finalement peut-être, c'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est peut-être imaginer d'autres variables d'intérêt que la simple production, hein. Les variables d'intérêt étant, par exemple, la séparation entre eau bleue et eau verte. Est-ce qu'on va produire de l'eau bleue en même temps qu'on va cultiver ou non? Ça va être un problème qui va se poser avec le changement climatique. Ou des variables d'intérêt sur les taux de nitrate ou d'autres variables à prendre en compte intrinsèquement dans les systèmes de production et de culture. Oui, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu commentes, avec tes commentaires. Je voulais juste préciser que Les deux démarches auxquelles tu as fait référence et que j'ai citées, intégration spatiale d'une part, et puis zonage et affectation, pour moi, elles étaient respectivement dans la première et dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est action-gestion. On agit et on fait des choses. Zonage et affectation, c'est un processus de décision, en quelque sorte, hein. Donc là, il y a des acteurs qui sont en... Et pour faire ce que tu dis, alors d'une part... Je dirais, dans la typologie des démarches de gestion de l'espace, j'ai essayé de prendre des précautions et malheureusement, ça m'a pris du temps. On ne prétend pas du tout être raffiné, exhaustif, ni compétent d'ailleurs. Hein. Nous, on aborde ça de notre bastion agronomique. Mais pour faire ce que tu dis, avec lequel je suis totalement d'accord, c'est-à-dire finalement une affectation beaucoup plus raffinée, qui est un peu mélangé à l'aménagement et qui s'intéresse aussi aux espaces interstitiels non agricoles. Bon, une fois d'accord. C'est précisément une démarche d'intégration. Enfin, c'est exactement la démarche d'intégration spatiale qui va être, en tout cas celle qu'on a désignée comme ça, qui va être sous-jacente. Et donc, la démarche d'acquisition, de production, de mobilisation de connaissances, c'est bien celle-là qu'il va falloir mobiliser. Hélène Rappet de l'UMR Métaphore à Clermont. Dans toute la richesse de votre exposé, il y a peut-être une interpellation. Vous avez dit en résumé, enfin moi j'ai retenu, il faut sortir de lectures sectorielles pour aller vers des lectures territoriales. Moi j'ai envie de suggérer de ne pas reséparer les deux. Il me semble qu'aujourd'hui, les filières reçoivent des questions fortes des territoires. Je pense notamment à la question de l'optimisation, voire la réduction des coûts de collecte. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des questions très fortes sur l'interface filière-territoire. Je pense aussi aux AOP, par exemple. Voilà. Et donc, je me dis, OK, vous vouliez mettre en évidence l'importance de cette prise en compte du territoire. Ne remettons pas à l'ombre les filières. Et je pense que notamment aujourd'hui, il y a des questions fortes sur ces interactions filière-territoire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je pense qu'il faut qu'on ait... Et je n'ai pas à faire la police du langage sur l'utilisation du mot territoire, pas du tout. Mais il faut qu'on sache exactement ce qu'on fait en le manipulant. Il faut qu'on sache ce que l'on fait dans les programmes PSDR. Moi, je pense... Et comme l'a rappelé André, j'ai un peu regardé ces programmes dans le passé.
et puis la troisième génération, je pense qu'on n'étudie pas tant que ça le développement territorial dans les programmes PSDR. Et que si on veut l'étudier, il faut qu'on ait une acception assez exigeante et appropriée à ça. Bon. Celle qui se rapporte à développement territorial. Et donc, qu'il y ait des interactions entre les filières et puis les territoires au sens d'espace géré, bien entendu, loin de moi l'idée de réfuter ça, que ça participe et que ça s'intègre dans des projets de développement territorial au sens véritablement politique que doit avoir ce terme-là, je demande à être convaincu. L'examen que j'ai fait moi me révèle que non, pas tant que ça. Justement non. Ça n'aboutit, ce que vous évoquez a lieu, mais quant au fait que ça aboutisse à du développement territorial, du moins au sens où j'ai compris que les géographes donnaient à cette notion-là, et qui me semble tout à fait intéressante, je cherche encore. Voilà. Et donc, mon message, d'une certaine manière, c'est à la communauté que nous représentons, c'est ayons conscience du fait que le développement territorial, ce n'est pas une espèce de multitude extrêmement diverse de processus. C'est quelque chose qui, normalement, devrait être plus global et plus intégré. Donc, Alain Bussière, vice-président du Conseil régional, je me permets de reprendre la parole et peut-être d'exprimer une question naïve, une question politique. Alors, d'abord, première remarque par rapport au SRAT, hein, qui concerne évidemment directement les régions. J'intègre votre remarque, qui me paraît pertinente, par rapport à la pluralité, ou caractère un peu binaire, avez-vous dit, de la perception de l'agriculture. Dans les pays de la Loire. Oui, mais c'est sans doute... si je l'ai intégré, c'est qu'en partie, j'ai perçu peut-être cette critique comme ayant un certain fondement, y compris en région Auvergne, même si je crois que nous sommes dans ces outils plus sur... Nous traduisons plus une volonté de pluralisation de l'activité économique. Et peut-être, vous avez raison, nous ne pensons pas assez la pluralité et la notion des cohabitations qui sera sans doute des modes de production qui sera sans doute une question politique importante pour la suite. Ma question de politique, alors vous plaidez sans doute à juste titre pour un rapprochement des sphères politiques et de la sphère agronomique. Malgré tout, pour nous, même si on ne néglige pas les dimensions agronomiques, les dimensions agronomiques sont nécessairement médiées par les dimensions économiques. Qui pèse quand même beaucoup sur nos décisions stratégiques. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un écart entre les potentialités absolues et les potentialités réelles. Même si, et je pense en effet qu'il faudrait que la dialectique fonctionne également dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on éclaire davantage la sphère économique par les potentialités agronomiques. Mais admettez que pour nous, il est difficile, en tout cas au niveau mezzo que vous indiquez, d'avoir une lecture directe des potentialités agronomiques sans introduire les autres dimensions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que, si vous voulez, le problème que j'ai évoqué, je le mets très largement au compte. D'ailleurs, c'est tout à fait significatif que moi-même, dans une certaine mesure, je l'ai découvert en préparant cet exposé. Parce que finalement, on m'aurait questionné il y a un an, j'aurais considéré que les SRAT, c'était vraiment pas quelque chose dont je devais m'occuper. Je m'en suis occupé en étant président de centre parce que théoriquement, ça devait cadrer les CPER. Ça n'a pas été le cas pour des raisons de coordination, ce qui est d'ailleurs assez révélateur, ce qui en soi est assez intéressant du point de vue politique. Mais en fait, je considérais que je n'avais pas à m'occuper de ça. Bon. Et encore une fois, je pense que, en France en tout cas, les agronomes ont eu une vision infiniment trop localiste de leur métier. Et cette expérience-là, encore toute récente, vous voyez à quel point on découvre des choses en étant au seuil de la retraite.
du contentieux azote. Mais honnêtement, nous avons formulé, alors que l'azote, c'est le champ de gloire, c'est le terrain de gloire de l'agronomie, mais on a formulé nos prescriptions d'une manière qui est complètement incompréhensible. Et j'ai commencé à mesurer ça quand j'ai vu une fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, pour qui j'éprouve, qui n'a pas fait d'agronomie, qui est passée par un autre cursus, beaucoup plus brillant, formuler l'agronomie dont elle avait besoin, exactement au niveau de généricité qui était nécessaire pour que l'Union européenne, d'une certaine manière, l'État, formule exactement ce qu'il devait formuler. Et ensuite, nous renvoyant la formulation d'un certain nombre de prescriptions, de référentiels au niveau régional. Et donc, avant qu'on fasse cet effort de formulation, honnêtement, nous présentions ça à des gens comme vous, à des politiques, de telle sorte que ça leur apparaissait comme un fouillis infernal, qui aboutit d'ailleurs à un fouillis de dérogation qui apparaît à la Commission comme littéralement scandaleux. Parce que, finalement, telle prescription azotée, où on prend en compte l'effet précédent du maïs en Alsace du Nord ou en Alsace du Sud, en Bas-Rhin ou en Haut-Rhin, il y a 40 kilos de différence d'azote dans les prescriptions en question. Donc, en fait, je suis persuadé qu'il y a un problème de méconnaissance mutuelle qu'il faut très patiemment franchir et qui se résoudra pas en 3-4, mais que les chantiers PSR sont vraiment l'instrument idéal pour combler. Donc je suis complètement d'accord avec vous et je mets ça sur notre compte. Merci Jean. Donc, ma question, c'est par rapport à la dynamique, en fait. Et c'est par rapport au développement. Et ce que tu as surtout présenté, c'est quand même de la gestion, alors qu'un économiste qualifierait de statique. Mais de statique. Donc c'est comment, alors chaque discipline ses défauts, mais comment l'agronomie peut aider à définir le développement, c'est-à-dire les objectifs que tu vises dans la dynamique. Bon, je prends pas statique comme un compliment, même si je connais pas le vocabulaire des économistes. Alors, une des grandes caractéristiques des projets de développement territorial tels que j'ai évoqué, c'est qu'en fait, c'est des processus très longs. Ce sont des processus très longs et dont qui comportent un très grand nombre d'étapes délibératives et qui sont bien plus codifié que je ne le pensais, c'est-à-dire qu'en fait ces démarches sont assez systématisées. Et en fait, la première chose à faire pour répondre à ta question, c'est de mieux connaître les processus d'élaboration de ces projets. Je pense que nous en sommes vraiment tout à fait ignorants, même. Alors, je ne dirais pas dans la communauté PSDR, parce qu'il y a un petit noyau qui s'est beaucoup intéressé au SCOT et qui probablement doit savoir comment ça se passe. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'agronomes là-dedans, bon, dans ce noyau. Mais déjà, je pense qu'il y a une observation empirique d'un certain nombre de dynamiques d'élaboration de projets qui commencerait à être un début de réponse à ta question. Je pense aussi que vous qui êtes tellement plus intégrés que nous au processus d'élaboration des politiques publiques, ce serait smart de nous aider à nous y insérer plus. Parce que je pense que dans ces processus d'élaboration, là aussi, nous apprendrions à formuler progressivement nos énoncés de telle sorte qu'ils y soient intégrés. Moi, et puis d'ailleurs, ça serait d'ailleurs très intéressant que vous nous appreniez ou que vous nous racontiez comment vos propres énoncés sont intégrés dans ces processus. Mais est-ce que vous avez fait de l'élaboration des politiques publiques en soi, la dynamique d'élaboration, un objet d'étude? Enfin, vous, quand je dis vous,
Je trouve que ça serait intéressant. Autrement dit, je ne sais pas que je te renvoie à la question. Ce que je veux dire, c'est que la dynamique... Mais non, ça veut dire que la dynamique elle-même, pour que je puisse te répondre, je pressens, c'est d'ailleurs la fin de mon tour, je pressens que c'est un objet d'étude en soi. Voilà. Jean-Marc Ménard, INRA. J'étais très intéressé par le mouvement que tu fais vers les questions concernant le développement territorial et les questions que tu poses. Mais il m'a semblé que dans cette dernière partie, tu restreignais la question de la contribution de l'agronome au développement territorial à la construction de projets de territoire. Or, le développement territorial, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Il me semble que ce n'est pas seulement la construction de projets. Et il me semble que l'agronome peut contribuer aussi à l'accompagnement du changement. Il peut travailler sur des démarches d'accompagnement, il peut travailler sur les compétences de développement territorial et apporter des choses là aussi. Je ne cherche pas à être exhaustif, mais je pense que la vision par les projets est un peu restrictive. Je veux bien, mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir, parce que moi, je me dis que ce qui est... On appelle beaucoup de choses territoire, encore une fois. Je conteste nullement, au contraire, qu'on soit extrêmement utile, d'ores et déjà, d'ailleurs, dans plein de démarches d'accompagnement du changement, etc. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que on va qualifier de territoire des espaces qui ne sont pas forcément des espaces de développement territorial. Bon. Il y a beaucoup d'espaces, d'ailleurs, dont des géographes un peu radicaux sur le plan sémantique disent que ce ne sont pas des territoires. Hein. Il y a des angles morts dans les territoires. Bon, enfin. Le projet de développement territorial, ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette affaire-là, c'est que c'est assez révélateur. Pour moi, c'est un espèce de révélateur de est-ce que le territoire existe ou pas. S'il n'y a pas un projet de développement territorial, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a territoire et s'il y a développement territorial. Donc je ne sais pas. Et donc, moi, cette espèce de focalisation sur les projets, ce n'est pas un élément de doctrine. C'est que ça me semble être une attitude saine et prudente pour essayer de voir si nous travaillons effectivement dans le registre du développement territorial ou plutôt d'une gestion de l'espace assez variée que nous appelons complaisamment développement territorial. Donc, je ne cherche pas complètement à te convaincre. Et d'ailleurs, si tu étais convaincu d'emblée, ça serait peut-être un peu ravageur pour plein de travaux qui utilisent ce terme-là, etc. Donc ça serait un peu embêtant. Bon. Mais faut qu'on continue à approfondir cette réflexion, même si on n'est pas tout à fait du même bord par rapport à la réponse. Et au moins, c'est heuristique de prendre cette espèce d'attitude extrême que j'ai essayé de prendre. Il ne faut pas fuir les projets de développement territorial. Donc je suis d'accord avec ta question, avec ton éventuelle réponse, ça peut-être que je serais finalement convaincu, mais à condition qu'on ne fuit pas ce terrain-là. Bien, alors on approche de la fin, donc je vais me permettre de poser une question moi aussi. Et une question qui va être un peu le revers de la question qu'on nous pose souvent. En tant que science sociale ou économiste, comme je le suis à l'INRA ou dans PSDR, qui est finalement de dire comment est-ce que vous pouvez contribuer, vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter au type de processus qui nous intéresse, particulièrement au processus agricole. Bon, c'est une question qui nous est souvent posée. Et là, à partir du moment où tu te poses sur un terrain qui est plus familier aux sciences sociales, c'est-à-dire celui des projets de territoire, donc du coup, je pourrais poser une question inverse, celle de la place de l'agronomie. Il me semble que quand on veut faire du territoire, comme disent les géographes, effectivement, on passe par des constructions, on passe par des projets, on passe par des processus de décision. Et en particulier, quand on veut faire de la politique publique ou de l'action publique, plutôt. Et moi, j'ai le sentiment que l'agronomie pourrait,
mais peut-être absente, à deux endroits de ce processus. D'abord, dans l'élaboration du processus de décision. Comme tu l'as souligné au détour d'une phrase dans ton exposé ou d'une ligne, c'est quand même beaucoup les urbanistes, beaucoup les aménageurs du territoire qui prennent les processus de décision. Et finalement, les agronomes jouent un rôle relativement restreint aujourd'hui. Alors même que, par exemple en France, 80% ou 90% de l'espace national est un espace qui est rural, un espace qui est naturel. Et deuxièmement, il me semble que l'agronomie pourrait jouer un rôle à un autre niveau, qui est quand on a des résistances au processus de décision. Aujourd'hui, on voit bien que le processus de décision pris par les pouvoirs publics rencontre beaucoup de résistances, tu en as parlé, hein, les contentieux et autres. Et finalement, l'agronomie peut contribuer à apporter des solutions techniques en particulier, sur les questions de ruissellement, sur les questions de zonage, sur les questions de culture, ou les questions de problèmes d'azote ou d'autres intrants. Donc il me semble que l'agronomie a des choses à dire à ce niveau-là. Finalement, est-ce que tu penses que on n'a pas assez ouvert la porte, que l'agronomie ne peut pas rentrer, ou que finalement, il n'y a pas encore les solutions aujourd'hui? Je conscience que c'est une question difficile, mais enfin, comme on aborde l'ordure pas. Bon, alors, juste une petite réaction à un point de ton... Je ne pense pas que ce soit les urbanistes qui prennent les décisions. Heureusement, je pense que tous les élus ne sont pas urbanistes de formation. Par contre, qu'ils aient un rôle très important, par exemple, dans l'élaboration des SCOT, et soit dit en passant, ce sont des documents admirables, hein. C'est remarquablement bien fait, c'est formidable. Hein. Dans la préparation, oui. Hein. Et plus, comment dire, les espaces territoriaux vont être... finalement configuré autour des grandes agglomérations, plus techniquement et mécaniquement, ça va être les services techniques des villes qui vont jouer un rôle important, qui sont pleins d'urbanistes et pas très remplis d'agronomistes, qui vont jouer un rôle dans la préparation des... Ensuite, deuxième élément. Si j'ai pris la peine de préparer cet exposé et finalement d'essayer de faire de la pub pour l'agronomie au passage, c'est parce que une part désormais très importante des solutions que peut apporter l'agronomie, à mon avis, n'ont absolument aucune chance de voir le jour, si ce n'est dans le cadre des projets de développement territorial que j'ai évoqués. Donc, il y a cette arrière-pensée de mon côté. Tous ces problèmes d'organisation spatiale qui jouent sur le premier ordre de grandeur des problèmes de pollution, etc., hein, c'est pas du tout seulement par les pratiques agricoles à parcelles qu'il faut les traiter. Et ça sera encore plus vrai quand on va se mettre à réduire effectivement l'usage des pesticides. Bon, ben, tous ces trucs-là, ça ne peut se faire que s'il y a une maîtrise du foncier qui ne relève rigoureusement pas de l'agronomie, qui est éminemment d'ordre politique, mais qui ne peut être finalement objet de décision que si les politiques sont informés de ce qu'ils peuvent faire en contrôlant et en gérant cela. Voilà. Donc, moi, je ne pense pas... si tu veux, tu as presque donné la réponse à ta question. Moi, je ne pense pas que nous soyons tout de suite en mesure de participer de manière absolument triomphale à des projets de développement territoriaux qui arriveraient à échéance dans le mois qui vient. Je pense cependant qu'il y a un certain nombre de régions où c'est pas si loin que ça. Bah, par exemple, Haute-Normandie, où il y a tous ces problèmes de... Bon, bah, justement, ça commence à venir. Il y a, je pense, aussi d'autres régions où c'est... Justement, il serait très intéressant d'étudier la variabilité actuelle, ce que je n'ai pas du tout fait, la variabilité actuelle des contributions de l'agronomie au projet de développement territoriaux. Parce que je suis sûr, on n'a pas du tout eu le temps d'étudier ça, mais je suis sûr qu'il y a une variabilité qui serait intéressante à analyser. Bon. Et je suis sûr, encore une fois, qu'il y aurait une espèce de... Enfin, que la solution et que la réponse à ta question se trouve dans une espèce d'historicité, d'antériorité,
dans la façon dont l'agronomie s'est saisie des problèmes. Bon. Et là, c'est de l'histoire à la fois de l'agronomie et du développement territorial qu'il faudrait faire.